Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Hickshooters, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur GTA Online pour vous informer qu'il y a double RP et double dollar GTA dans le braquage capital de départ du 27 juillet au 2 août. Donc ce sera vraiment pas mal si vous voulez vous faire de l'argent. Donc c'est déjà depuis ce matin, donc depuis aujourd'hui, mais l'article du Social Club vient de sortir juste il y a une heure, au moment où je vous parle. Donc je vais vous lire l'article. Maintenant que vous avez pillé les laboratoires humains et aidé Rajkowski à s'évader de Bolingbrook, il est temps pour vous d'obtenir deux fois plus de dollars GTA et RP en allant rendre visite à un vieil ami. Pendant toute la semaine du 27 juillet au 2 août, vous recevrez le double de dollars GTA et RP pour chacune des missions de préparation du braquage capital de départ de GTA Online ainsi que pour sa phase finale. Si vous avez déjà aidé Trevor à se faire un nom dans l'industrie des stupéfiants de Los Santos, alors ce sera pour vous l'occasion idéale de vous attaquer au défi élite de la phase finale et obtenir ainsi le double dollar GTA. Donc alors pour terminer le défi Elite, il faut terminer la phase finale en moins de 6 minutes 30, tuer 75 ennemis et aucun mort dans l'équipe. Alors après, si vous ne voulez pas faire le braquage capital de départ, il y aura double RP dans un certain nombre d'activités, et il y aura aussi comme d'habitude des grosses offres sur les véhicules, par exemple des soldes, où il y aura par exemple le Karine Technical à moitié prix, ça ce sera sûrement très très probable. Alors vous aurez double RP dans les attaques de gang, dans la mission Harmonie Perdue, dans les bonus de livraison de colis dans les missions, donc c'est-à-dire que si vous récupérez un colis dans une mission, il y aura double RP pour ce type de choses, tout simplement. Ensuite, dans les bonus d'affrontement, donc toutes les victimes, classement dans le top 3, 3, 6 et 10 victimes. Après, joueur dominant, tuer un joueur en étant proche de la mort, et tuer un joueur avec une attaque au corps à corps. Donc dans ces petits objectifs, il y aura double RP. Ensuite, dans les affrontements motorisés, il y aura tuer un joueur dominant, où il y aura double RP. Et dans les survies, donc vague, atteinte, donc ça c'est je pense si on termine la survie, il y aura double RP. Ensuite dans les captures, donc récompense de RP pour avoir récupéré le colis de la mission, ce qui est vraiment pas mal pour les activités qui permettent de gagner pas mal d'RP. Et donc ensuite pour terminer, vous pourrez également profiter des promotions tout au long de la semaine sur de l'équipement et des véhicules dans GTA Online. Ces promotions seront annoncées sur nos pages Twitter, Instagram et Facebook. Donc ça, moi je suis souvent tout ça, donc comme je vous avais dit la dernière fois, il y avait l'Hydra et tout à moitié prix, donc j'avais vu ça. Sans même aller sur le Social Club, hein, j'ai vu même ça avant qu'il le publie en fait, tout simplement. Voilà, c'est déjà la fin de ces informations, j'espère vraiment qu'elles vous ont plu. Moi je vous dis à tous à très très bientôt pour de nouvelles vidéos, ciao tout le monde.